Le Plaza Athénée peut être tout à fait considéré comme l'hôtel haute couture puisqu'il a les mêmes codes que la haute couture et que Dior en particulier, que ce soit dans l'accueil de la clientèle, dans la disponibilité, dans le luxe des matériaux et puis le soin apporté aux exigences des clients, le raffinement aussi. Le Plaza Athénée est considéré comme l'hôtel haute couture, de par le fait d'avoir 600 employés qui sont les petites mains, qui travaillent sans arrêt comme les petites mains de chez Dior ou des grandes maisons de l'avenue, qui délivrent le service haute couture à notre clientèle. Les relations entre la Maison Dior et le Plaza Athénée ont démarré dès février 47. Monsieur Dior, lorsqu'il a décidé de créer sa maison, il voulait absolument que ce soit avenue Montaigne. Il avait repéré cette avenue et en particulier le Plaza Athénée puisque c'était un hôtel où il y avait un grand nombre de clientes particulièrement élégantes et raffinées. Dès le départ, Monsieur Dior considérait le Plaza Athénée comme sa deuxième maison. Il se trouve que Monsieur Dior, parmi les modèles de sa collection, un modèle s'est appelé Plaza. Et là, nous avons le croquis du modèle Plaza dessiné par Monsieur Dior. Au fil des années, les relations entre le Plaza Athénée et Christian Dior se sont renforcées. Et elles ont abouti à la création de l'Institut Dior. Et cet institut va complètement dans le souhait de Monsieur Dior qui voulait rendre les femmes plus belles et plus heureuses. La Dorchester Collection essaie d'offrir à ses clients une expérience dans le pays dans lequel ils sont et représenter la ville dans laquelle ils sont le plus possible. Et à Paris, apporter aux clients l'expérience de l'art de vivre à la française. Donc, Laurette, ce qui est important quand on fait une mise en place comme ceci, c'est toujours se mettre à la place des clients. Donc si moi j'étais client, si j'étais assis, donc il ne faut pas hésiter des fois à s'asseoir à la place du client. Il y a à comprendre l'axe de la mise en place et de la vue qu'on veut leur montrer. D'accord ? Dans l'idée de cette haute couture qu'on peut retranscrire aussi au niveau du restaurant, on va parler d'artisanat, on va parler d'artisans, on va parler d'objets, de préciosités. Tout ça, c'est dans les arts de la table. Et que l'homme de salle, avec un grand H, va mettre en vie avec sa main, avec sa gestuelle. Et c'est ça l'art de vivre, c'est d'être en harmonie avec son client, d'avoir compris pourquoi il était venu et ce qu'il attendait, de délivrer les attentes et surtout de les dépasser et de procurer un souvenir durable. On veut absolument que le décorateur apporte dans les rénovations de l'hôtel cette touche de couture, cette touche de détail, comme une maison d'une Parisienne. Quand on nous a demandé de continuer la rénovation, notamment avec les chambres d'un étage qui avait une thématique art déco, bien que l'esprit de ces lieux, de cet étage particulier, soit très différent du reste de l'hôtel, cette idée de collection là et de maison haute couture, elle nous a permis de continuer à tisser le même fil quelque part. Ce côté haute couture, on en est habité aussi et que rien n'est clinquant, c'est élégant. Mais il suffit de regarder à l'intérieur des placards, ou même sous une table ou sur une bordure de plateau. En fait, il y a toujours une petite surpiqûre, un petit détail qui dit « Coucou, c'est Plaza ». La vision du Plaza Athénée, c'est « Il était une fois le palace de demain ». Ce qui veut dire « Il était une fois », c'est le respect que l'on a de l'architecture, de l'histoire. C'est le respect que l'on a des clients qui sont là depuis plusieurs générations. Bonjour madame, bienvenue au Plaza Athénée. Bonjour.
Le palace, c'est ce que l'on est, et de demain, c'est tout ce que l'on fait. Le fait d'avoir ce respect de l'héritage et d'engager un nouveau chef comme Jean Humbert au Plaza Athénée, ça apporte cette petite nouveauté, cette jeunesse, cette touche de modernité. Toutes les actions doivent être avec le respect de l'héritage, mais également en pensant à demain.